C'est un réel plaisir pour nous rejoindre nos invités des spectateurs. Yo l'autre fois encore sur Ayiti TV, dans le magazine sportif ou choisi pour informer sur tout ça qui a rapport avec le sport en général. Donc pour ça, nous vous remercions pour votre patience et fidélité. Non pas M. Stéphane Guillaume, comme d'habitude dans Sport Mag, moi je vous dis le mieux à présent et fidèle pour nous présenter au nouveau Sport Mag pour jeudi. Bienvenue et yo l'autre fois encore vous dit bonjour, bonsoir. Et bonsoir mes téléspectateurs, amis sportifs de partout. C'est toujours un plaisir pour nous là dans Sport Mag, moi-même avec Stéphane Guillaume pour nous présenter une émission ça qui sont émission en pile monde commencer remet en pile monde commencer gâter avec émission ça. Je dis à nous un paquet de bagages, nous allons parler de la Copa America Centenaire, nous allons parler et spécialement de la sélection haïtienne de football qui fait un passage dans Copa America ça. Est-ce que nous des bagages nous t'es prêt, est-ce que nous des bagages nous t'es gagné dans Copa America ça? Alors nous allons parler de toute bagage ça en dedans. Et monsieur ça qui c'est Sport Mag, vous dit l'Omira et Steve Guillaume. La petite pause, à peine tout à l'heure. Merci, amis téléspectateurs, pour patience. J'en ai dit l'avant pause là. Nous avons un programme qui est vraiment chargé aujourd'hui. Hein. Donc, nous allons parler en pile de Copa América. Nous allons parler de. On s'est passé dans la Coupe d'Europe là. Et puis, nous pensons que nous allons sur le match Aigle Noir avec Racine qui était joué en Haïti. Donc, nous pensons vraiment que nous avons un pile de bagages aujourd'hui pour dire pour nous débattre. Bon, oui, tout à fait, nous avons un pile de bagages pour nous débattre. Maintenant, nous allons entrer directement dans la Copa América Centenaire. C'est une café actualité. D'ailleurs, c'est une compétition Steve Guillaume qui a joué ici aux États-Unis d'Amérique. Une belle compétition. Côté que nous gagner passage pays en de compétition ça qui était Haïti qui éliminé Stéphane Guillaume semaine dernière en défense parler de ça Haïti éliminé et moi-même bah ça fait mal en pile Haïti éliminé dans condition ça me pensais que nous gagner assez d'éléments pour nous défendre belle prestation pour nous défendre prestation qui beaucoup plus mieux que ça ne fait mais c'est bien dommage nous perdu devant la section péruvienne de football Lyon 0 nous tombé devant Équateur 4-0 nous tombé devant le Brésil 7-1 Stéphane Guillaume comment on même tant que footballeur qui joue là dans haut niveau qui font paquet dans la section de football, comment ouais prestation Haïti et comment concevoir ton élimination nous et côté Gampé mon cap critiquer nous pour j'en éliminer ou penser que nous devons faire mieux avec toute et pléiade de joueurs ça nous gagne cap jouer à l'extérieur du pays. Bon, j'aime toujours prestation que nous parlons sous ça un peu aujourd'hui. Prestation, c'est que vous avez un bon joueur, c'est vrai, mais vous avez une équipe qui est vraiment dans toute intégralité de l'équipe complète et vraiment nous avons un bon joueur, mais. Est-ce que ça suffit? M'pas fin quoi ça. Juste après là m'a fin garder tournoi ça. M'fin comme si m'garder chaque match, m'prend temps pour m'garder chaque match, pour m'étudier, pour m'habituer. Même tout m'dire OK, il y a des fautes que m'conn commettre et est-ce que problème non c'est OK, nous juste focus sur oui, m'gè talent, m'gè technique, m'gè mais l'on garde bien en général aussi. Vraiment vraiment capable de dire niveau nous vraiment du tout pas vraiment nous pas à la hauteur même compétition. Donc là c'est là que nous allons dire comme ça que c'est vraiment important. Lorsqu'on commence une compétition ou bien lorsqu'on prépare une sélection, lorsqu'on prépare un club par exemple, c'est vraiment important pour nous commencer dans les jeunes. Parce que chercher jouer aux États-Unis ou bien cap jouer en Amérique ou cap jouer en Europe et pour penser que cap jouer une équipe parce qu'il y a joué dans la ligue, je pense que ça suffit. Donc c'est vraiment important. Là, c'est son travail qui est important pour nous le faire et dans 5 pays même exactement. Elle cherche dans toute zone, dans toute ville qui gagne, bâti mon chance pour commencer à jouer depuis dans la ville. Excuse-moi, Stéphane Guillaume, tant que côté de soutien, nous soutien dans l'opération 2006, moi je me garantis que Stéphane, ce n'est pas de bon programme, tant que programme ça, côté nous, je dis, parce que côté de moi, la pleine, et il est vrai que la pleine bagon équipe en première division, la pleine bagon équipe qui est solide en première division, nous ne doit pas avoir talent pur, ça que moi je me gagne. Un programme tant que l'opération 2006 qui est dans toute zone défavorisée, qui est juste dans la ville, dans tout Saint-Marc, qui est Gonaïve, qui est au Cap, qui est partout dans le pays, qui cherche jeunes talents et qui mettent ensemble, qui viennent de nous, et ça, nous, je dis, bien qu'on regarde les sélections, il y a plusieurs nègres qui étaient dans la version 2006 qui fait partie de sélection. Ça, on pense que quelque chose comme ça, il a quand même aidé PIA pour nous joindre des talents. Ça, on va parler, je dis, là, Stéphane Guillaume. C'est correct parce que je nous dis, hein, et nous avons besoin de réussir, il faut que nous commençons ce travail-là. Parce que si on prépare la Coupe du Monde qui va venir dans 4 ans encore, 2018, dans 2 ans encore, donc c'est pas l'heure pour arriver c'est l'heure ça nous connaît pour mettre l'équipe camper et puis pour n'expecter que nous avons un résultat. Je la bagarre il pas comme ça, il pas comme ça. Moi c'est sacrifice là moi-même pour jouer un résultat parfois il doit qu'on pas bon parce que l'équipe oui. Et pour jouer un résultat on bouge ça parce que gon bagarre côté fait 2 ans, 3 ans de cela, on travaille longtemps pour lui et puis équipe là veut mieux que eux même par contre c'est eux même qui jouent un résultat pour qui ça parce que tu préparé. Tu préparé et puis il vient jouer un résultat dans un moment.
Donc, c'est vraiment important. Vous dites, opération 2016, mm-hmm. c'est un programme vraiment. Et dans toute Caraïbe, c'est un programme. Non, c'est un programme. Dans l'Anche Quadabou, si vous vraiment mettez, quel que soit ça, il y a une infrastructure dans la ville, dans le pays. Et je pense que vraiment là, nous sommes capables de créer des surprises, mais, quelle que soit l'équipe que nous allons jouer, dans quelle que soit grosse compétition que nous allons mm-hmm. jouer. Mais c'est ce qui me pose une question, ça, parce que là, vous voyez qu'au moins, un point qui est aussi important, parce que vous parlez de jeunes, vous commencez à la base, c'est qui c'est ça. Parce que je veux dire, ouais, une sélection, peut-être, n'a pas cherché Green Moon qui ici, Green Moon qui n'a pas une cohésion d'équipe, pas une équipe qui vraiment chita, pas une équipe pas une base, effectivement. Et c'est ça qui mène nous à ça, nous y est, je veux dire, là, qui fait que une équipe vient jouer, nous pas une bagaille que n'a pas joué, effectivement. Juste à jouer, n'a pas assez de boules, n'a fait belle passe, mais au fond, équipe n'a pas un fond de jeu, n'a pas une bagaille, n'a précisé, parce que pas un jeu d'ensemble. C'est ça le mot, en équipe ça. Alors, Steve Guillaume, vous pensez que c'est une major bagaille qui fait que nous pas réussi totalement en dans Copa América, ça, c'est parce que nous avons joué ensemble, c'est parce que l'équipe n'a pas joué. Et effectivement, après ça, qui ça encore ou est qui fait que nous faisons prestation ça? Parce que il est vrai que et nous avons perdu. Moi, je regarde la Jamaïque. Jamaïque n'a pas fait aussi une prestation qui mal passé ça. Ou regarde Costa Rica, pas fait une prestation qui si mal passé ça. Ou regarde nous-mêmes, penser que nous avons manqué. Moi même ça moi même ça c'est manqué pour compétition au sérieux même ça c'est que pas de gain préparation pas de gain et engouement pour compétition ça compétition qui très important comme ça m'pa dire que nous pas prendre au sérieux non parce que son compétition presque nous devin moment on pense que même dirigeant haïtien ou même joueur parfois j'ai l'impression que parce que tu étais fin qualifié pour Copa América et même mondial là éliminatoire mondial là que n'pa perdre chance là. Nous t'es presque oublié. Alors que Copa América, nous t'es guetté une qualification pour lui-même. Donc là, je pense vraiment que c'est pas motivé, pas motivé pour lui. Tout à fait. Nous t'es une motivation pour lui. Mais nous t'es juste pas à la hauteur de compétition. Même là que des fois, on va jouer un joueur pour faire des matchs amicaux. Mais il y a un match amical qui joue les abouer. Et il y a une possibilité de les joueurs et laisser capable de jouer dans ce blanc dans mes mm-hmm. Mais match, les journées FIFA, nous n'avons pas jamais une possibilité pour nous aller jouer ça au Vini et puis pour nous chercher un match pour nous jouer match. Donc il n'est pas possible. Les consorts, pour qu'il y ait une possibilité pour jouer vraiment cohésion qu'on cherche dans cette équipe football. Alors moi-même, et Stéphane, je pense que ça suppose fait et dans le pays, ça, dans la section haïtienne de football, c'est et pour nous structurer le football en Haïti. Ça n'y a pas sorti de là. Il faut que nous structurer le football en Haïti, il faut que nous commençons à investir dans les jeunes. Que j'en souhaite dire là, faut que nous capables de faire un bon championnat national, au moins pour ne pas dépendre de tout le monde qui a joué dehors. Parce que, et le problème de ouais, moi-même qui grave en équipe ça, c'est parce que, puis faut footballer au yo yo pas de gagner et rythme de jeu parce que effectivement puis faut là yo pas jouer constamment dans l'équipe. Alors le venir dans sélection effectivement il est vrai que yo bon physiquement mais yo pas gagner rythme de jeu déplacement yo pas même genre avec on est cap jouer 30 40 50 matchs pendant saison. Alors là pour on est et Jeff Lui qui pas jouer en pile dans l'équipe li là pour Kevin Belfort qui pas jouer en pile dans l'équipe li pour me citer ça seulement gagner tant de footballeurs qui pas jouer vraiment pendant la saison mais le venir pour diable c'est seulement gagner parce qu'une grand champion en Haïti qui pas structuré en qui n'a pas même joué en 30 matchs pendant la saison. Mm-hmm. Tout ça, c'est un problème. Alors, je pense qu'à l'avenir, Steph, pour nous être capable et dans la compétition, il faut une structure football en Haïti, au moins, il faut être capable et mettre une structure pour nous au moins jouer 30 40 matchs par saison. Et puis, pour l'équipe, en général, il faut que nous entraîner effectivement, il faut que nous ayons discipline, il faut que nous ayons tout. Tout le bagage, ça rentre dans la structure, on n'a pas l'air. Il faut que nous commencer à faire jouer, jouer dans le championnat national. Là, j'en dis, il faut qu'il y ait une structure dans le championnat national. Il faut qu'il y ait joué et faut comme si l'équipe de déplacé à jouer dans l'autre ville. Yo fin jouer tourner la caillou sans pas frapper. Exactement tout ça oui, tout ça entre parce que tout ça là dedans tout. Parce que mon succès à tout ça là dedans. Parce que mon même j'ai tout mon nous Steve. Exactement. Et mon même j'ai tout mon parce que Sydney d'a fait si Jamaïque fait si et Costa Rica fait pour que ça ne pas faire parce que regarde les Costa Rica sont ligue qui assez élevé, l'on regarde les Jamaïque de même, l'on regarde Trinidad de même, alors parce que nous même nous gain talent tant que je dis maintenant et nous pas seulement conscientiser nous gain talent, ça ne pas mettre structure, ça ne pas et foncer de bagaille à la hauteur parce que nous en 2016 maintenant parce que moi bouger, faut que nous bougions. Alors, Steve Guillaume, nous allons éterniser une troupe sur la section de football. Là, nous allons retourner encore pour une baille de lit et tu as parlé de l'aigle noir Racine et même structure là toujours, l'aigle noir Racine en Haïti. Steve Guillaume pas gagné effectivement et 5 mouns dans match là. On match l'aigle noir et Racine bat 2 goals là. On match Racine l'aigle noir dans stade Silvio Cator dans la Coupe de Tobreson, parce qu'ils jouent à 4 heures de l'après-midi. Son l'homme, parce que tout le monde est venu, son l'homme qui favorable à tout le monde. Pas gagné 5 mouns. Ça, c'est qui problème? Parce que son j'ai l'aigle noir Racine. Bon, premier match pour le championnat national, l'aigle noir Racine. Ou des jeux pour l'aigle noir? L'aigle noir Racine, 2-0 l'aigle noir, tu vas jouer à ça. Bon, on est capable de jouer. Hey. Premier match pour le championnat national, 18 ans, 17-18 ans. On joue pour l'aigle noir, côté qu'il y a un stade qui était rempli.
Puis le monde fait déplacement, grand nombre vient supporter l'équipe. 7h du soir. Oui, 7h du soir. Là, ça, un grand nombre, tout le monde déplacé vient supporter l'équipe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé qu'on y a? Alors, en 2016, qu'on y a pour pas que le monde cap déplacé voir supporter l'équipe. Et ce problème qui vient, qui s'allie. Et ceci, ça regarde moi en gros chaîne télévision Canal Plus qui a diffusé presque tout match cap première division. Je regarde un stade safe, ça fait me obligé courir voir les ça va bien rapide pour me dire ça passe parce qu'on ancien joueur de noir et on match de noir ici sont gros bagarre pas gain 5 monde dans match football mais même pas succès ça n'a pas là. Est-ce que son problème de sécurité gain, est-ce que son problème de cop tout bagain parce que faut là non pour parce que faut connait que en Haïti son pays et chômage là ou en pile moun yo pas travail moun yo pas gen cob et puis bon insécurité qui a valé terrain dans la coupe d'Haïti n'a mandé est-ce que c'est toute bagarre ça qui entre en ligne de compte qui fait effectivement un match aussi important comme ça nous connait Haïti mais football pas gen moun alors peut-être c'est m'a parlé peut-être mm-hmm. peut-être c'est pas j'en disant c'est peut-être insécurité et puis surtout c'est dans l'elle fait lancer le côté gen bagarre élection KPC parler peut-être bon. Peut-être ça mais penser vraiment et pratique football yo on va connaître dirigeant comment on a fait pour nous reprendre football là pour ou besoin faire succès ça a compté ça a compté oui, parce que faut voir jeune monde qui a déplacé non, à supporter fait, que... montrer que nous va avec eux montrer que nous aimons et montrer que nous ba tout nous-mêmes et que eux même pour ba au ça que besoin retour là tout à fait Steve ouais. Guillaume maintenant la Copa América Copa América et nous gagne l'Argentine et qui était joué avec la section américaine de football, on rentre dans la semi-finale bien rapide. Ouais. L'Argentine qui étriait la section américaine de football 4-0, comment tu as joué ça? Bien simple pour dire. J'aime d'avoir l'ordre de voir le genou final Argentine-Chili. Chili, oui, on dit ça. Parler de tout ça. Et on regarde l'Argentine, regardez qui j'aime sur le tableau contre l'équipe États-Unis. Belle équipe Argentine. Même j'aime dire Haïti pas à la hauteur pour, comme si paraît pas à la hauteur pour championnat. Et mais c'est même j'aime tout les États-Unis pas à la hauteur pour jouer contre l'Argentine. On regarde monsieur qui a joué, qui j'ai Argentine d'avoir joué. Pas une pièce pression, n'est-ce qu'il prend temps, il passe le ballon. Et puis là pour finir action, avec un Messi qui vraiment. Non, ouais. Parce que c'est Van Basten, tu es d'accord avec moi. Parce que deux équipes. On pas obligé d'accord. Et deux équipes nettement différentes. Deux équipes nettement différentes. Basten, tu es d'accord pour dire que l'Argentine. Et les États-Unis partent à la hauteur de l'Argentine. Non, du tout. Et faut être deux équipes, parce que là, l'équipe argentine, c'est une méchante équipe de football. L'Argentine, quand je joue au modèle football, là, avec, on se dit déjà, avec un Léonel André Spessi, qui est impossible. Les États-Unis partent à la hauteur de l'équipe argentine. Par contre, ils partent à la hauteur. On dit que l'Argentine a une équipe qui tellement solide qui empêchait les États-Unis d'Amérique déployer jouer li parce que même je t'ai regardé un match Brésil et l'Allemagne ou pas qu'a dit Brésil pas à la hauteur de l'Allemagne non l'Allemagne était c'est une grosse équipe qui est aussi méchant qui empêchait le Brésil jouer parce que Brésil 7 goals à 1. C'est le même pour la section américaine de football qui si tellement jeune qui va Argentine moi-même et comme si son Barcelone nous t'a gagné. Parce que Tata Martino font un travail extraordinaire en dans équipe ça li j'en ai planté footballeur, j'en le mettait parce que par contre dans position mettait Matirano puis il mettait Balegal, mettait Fernando Acosta comme deux demi, deux nèg qui compte marquer, compte jouer puis il mettait Matirano derrière qui a fait l'autre travail parce que là il y a trois demi défensifs qui méchant conseil bien et Verbalenga compte jouer tout qui a fait jouer. Là pense que le vin est possible pour quelque soit équipe là contre quelle équipe Argentine. Jusqu'à présent, l'Argentine, c'est l'équipe qui est la meilleure équipe dans toute l'Amérique. Oui, tout à fait. Mais Argentine, États-Unis... Où dit-il pas la hauteur? Bien que pas d'accord avant, même pas c'est que c'est... Je respecte l'opinion. Moi-même, on y croit que c'est l'Argentine qui a une équipe qui est impossible, qui empêche quelque soit équipe de la jouer. C'est la meilleure équipe dans... Copa América jusqu'à présent. Oui, c'est de même pour quelque soit équipe argentine jouer à la Copa América, Argentine est pêche joueur, il y a des joueurs extraordinaires. On a parlé de réclamer là, on a parlé de monsieur même la Messi qui blessé, on a parlé de Messi qui fait grand retour depuis Messi retourné en équipe là, changé toute équipe là complètement. On a parlé de Pipita Higuaín. Yeah. Monsieur fait Pipita Higuaín belle. Messi fait Pipita Higuaín belle, il essaie de passer pé débay et Pipita son bagage extraordinaire et puis et nous pas gagner pour nous dire de l'Argentine. Maintenant l'autre semi-finale, c'était Chili-Colombie. Ouais. Et une équipe chilienne, tout le monde connaît que Cap joue l'autre modèle de football. Une équipe chilienne qui est pas tellement pile doux, qui avec un Alexis Sanchez et qui Argentine qui est en bat de premier match que Argentine joue contre Chili. Oui, contre Chili. Argentine gagne un match ça. 2-1. Mais sans Léo Messi. Match qui passe. Sans Léo Messi. Match, mais. Avec Léo Messi, tu es champion sur Léo Messi dans la finale de la Copa América. Non, c'est dans Tiro Bu, Stéphane Guillaume. Tiro Bu ou pas, il est champion quand même. Quand même. Tiro Bu ou pas, bon, mais bon, si on dit, nous avons joué 3-4 pénalités devant Pérou, sélection haïtienne, nous avons joué 3-4 pénalités devant Pérou, nous avons joué 3-4 devant
devant l'Équateur. Nous avons fait 6 points. Donc, pénalité à l'important dans le jeu. Bon, je vais dire, si nous n'avons pas le match, ça. Nous n'avons pas le match. Nous allons au Chili, nous allons jouer avec Colombie. Colombie. Après, ça n'a pas allé à Argentine-Chili. Oui. Finale, nous allons faire et dimanche, nous allons venir. Oui. Donc, hey, c'est pas Chili, le... bon, ouais, Chili-Colombie, Chili. Comment ouais, le Chili qui gagne et la section colombienne de football, 2 goals, 2-0 avec un excellentissime Alexis Sanchez et Vargas. Ouais. Vargas, bon, c'est que pour moi, même si on a meilleur joueur après Léo Messi, si on a meilleur son joueur qui est parti ma pile dans la compétition, et pas seulement Vargas, Alexis Sanchez tout, qui gagne un état physique et tête chargée, Stéphane Diop, n'est-ce pas jambes campées, n'est-ce pas fait 92, 93 minutes, non, à monter, descendre. Alors là, je pense que et Chili, qui ont un nouveau entraîneur, qui c'est Pizzi, qui sont argentins, qui a entraîné plusieurs équipes dans Mexique, qui et maintenant qui connaît football argentin très bien tout, et qui gagne la section colombienne de football, qui a joué avec un autre entraîneur colombien tout, qui c'est José Pikeman, qui c'est Pikeman qui est entraîneur de la section argentine de football, maintenant qui a fait bonheur équipe Colombia, qui a battu Colombie 2-0, et je pense que facilement, dans 3, 4, 5, dans 10 premières minutes de jeu, qui a mis 2-0 sur Colombie, après ça, ils ont mobilisé joué. C'est comme ça Colombie gagne. C'est comme ça, excuse-moi, Chili gagne. Il fait 10, 15 minutes de jeu, 2, 3 goals, et puis après ça, il a monopolisé joué là, avec un Alexis Sanchez, avec Fonsalida, et avec un Vargas, tout le monde qui est impossible, on jara, on bosse jour, tout qui sont haïtiens, et qui a joué dans le colo-colo du Chili, qui a fait bonheur. Bon, équipe haïtien, la question se comprend les haïtiens, parce que je me parle avec. Alors, moi, si vous êtes d'origine haïtienne, comme si papa ou bien maman haïtien. Bosséjou, il parle bon créole, lui. Je m'entraîne avec Bosséjou. Et puis il me dit, oh, et qui est-ce qui a parlé créole ça? Parce que je suis en train de parler de créole. Et puis il me dit, on pensait que tu parlais créole seulement. Et puis il me tombe ri. Et puis il me dit, papa, c'est haïtien, bah, ça. Je me dis, comment c'est fait si pas la veille, mais ça fait me devenir qu'on est monsieur haïtien. Mais quand même, qui a fait bonheur et l'équipe chilienne, non, son fierté lié pour nous quand même. Mais son bar pour nous commencer à retirer la canne, Stéphane. Dans toujours après tant, l'homme a percé, l'homme a fait quelque chose pour nous dire haïtien. Et ne pas faire rien pour jeune talent, nous, pour au moins faire exceller. Exactement. Pour nous faire exceller, pour nous faire. Pour nous faire honnête pour nous faire triompher, pour nous dire, bon, ça, son vrai haïtien. Il y a tant de monde qui dehors, qui a fait effort, pas fait effort avec eux pour venir arriver. Et puis là, ça pour nous couvrir, clé mieux pour nous dire que c'est haïtien. Steve Guillaume. Final, l'Argentine-Chili, Chili-Argentine, bam opinion, et puis et bam pronostic rapide. Eh bien, moi-même, j'aime des là, depuis le championnat a commencé, il y moi, je dis que son Argentine-Chili en finale. Et en équipe Chili, je pense vraiment côté que final, là, pas difficile pour eux, parce qu'ils ont remporté la saison l'année passée. Argentine qui vraiment besoin d'un titre pour aller à la caillou la fois ça parce que je pense que si je m'en ai donné dit si nous pas champion tout était côté hier donc et ça va ça dégage m'a donné ça bon on connaît c'est tête nèg ça on connaît oui des grâces ça comme paquet bagaille hier c'est bien et tout la caillou ils sont achetés vraiment qui vraiment besoin de titre parce que ça je besoin plus que Chili je besoin plus que Chili je besoin plus que Chili parce que moi c'est Chili qui a pas démarré même là tu perds du grand match ou alors sur petit revanche mais quand même avec victoire ça que tu fait dans finale là tu passé. Et Argentine paraît plus grand goût, plus envie match ça. Et Argentine paraît plus favori. Et équipe Argentine. Donc, match 50-50. Moi, je vais mettre 50-50. Mettez 60. Mettez 60-40. Parce que l'équipe Argentine est beaucoup plus efficace. L'équipe Argentine est beaucoup bien arrangée que la section chilienne de football. Et par contre, sur l'Argentine, je vous dis, a accepté d'entrer dans la logique de Léonel André Smith. Mais changement l'équipe Argentine. Par contre, ça tente à Martino Fernandez de l'équipe ça. Lui fait accepter, comprendre que. Moun qui a dirigé le football, ça le Léon André Smith. Yeah. Avant, pour me faire dernier green action, ballon obligé de passer par M. Sa. Il accepte. Tout joueur accepte. C'est ça qui fait l'équipe pas être beaucoup plus. Ah, mon cher. L'équipe, ça fait ça. Pas gagné, joueur qui a essayé de faire plus. Que on l'autre. Parce que, et ça. Joueur qui a joué ensemble, soit équipe football argentine. Même là, qui a remporté le Coupe Américaine qui est passé, mais son équipe football. Et ça fait. Ou est son équipe qui a joué. Mais c'est pas contre. C'est Messi, c'est mettre à jouer. C'est lui-même qui a suivi.
mais ouais tout travail qu'a fait là son travail d'équipe parce que et ça qui est passé moi même parce que nous pas remporté Copa América ça c'est game qui était fait dans la Chili là et il y en a que ça seulement parce que tu as une petite confusion entre Javier Pastore et plusieurs monde depuis lors arrivé Messi dans la section argentine de football toujours un petit conflit ça tu as un petit conflit entre lui-même avec Riquelme tu as un conflit entre lui-même avec Carlos Tevez toujours un bagarre mais cette fois-ci journée jeudi là nous ouais que pas aucun conflit les gars nèg qui derrière qui Cyril et Verbanega qui sont gros tonton joueur football safe par contre surtout ça qui a joué qui a vendu qui Séville là moi même pas comprendre comment ni le FC Barcelone ni Real Madrid quitter monsieur ça après l'autre côté moi même c'est un après Messi c'est un meilleur joueur qui a l'équipe ça pour moi qui c'est Verbanega après Verbanega c'est tout que Nicolas Otamendi qui a joué en défense alors en tout cas on dit c'est quand même vraiment c'est pas un grand final parce que dès que deux équipes ça c'est comme si on dit comme dit là c'est un box hein c'est comme si match box quoi dès que Tyson va jouer avec ou dit l'homme là ou bien Tyson avec Holyfield va vous rappeler match ça tu vas être sous ça vous donne un petit passe en affaire guider son match ça dit avec mon gousson oui mon gousson de monsieur ça dit son match ça et donc nous va être trop ça mais de nous va changer sous coupe d'Europe là mais Portugal qui qualifié trois matchs difficilement troisième position et troisième place la meilleure troisième et trois matchs nuls donc dans match coupe là Kounia là moi c'est et bah qu'on équipe parfois grand gens qualifiés papa et puis oui tout à fait oui et puis tout monde oui tout monde égal et pas même ça même le plus souvent l'autre équipe qualifié difficilement comme ça c'est Van Yom ou qui attend qui a fait des miracles et dans championnat c'est l'équipe qui est pas tellement contre mais l'équipe Hongrie équipe Espagne tout le monde bel match que pour gagner Espagne Italie bon match 16e de finale Espagne Italie je pense que c'est pour un bel match c'est pour un spectacle et l'autre dit l'Espagne l'autre dit l'Italie pour moi même équipe favori dans la compétition ça le relais l'Espagne même la compétition en fait qu'à la France même senti que l'équipe de la France n'en lit pas et j'aurais aimé utiliser moi ça me pourrait utiliser il pas à la hauteur de compétition ça malgré de plus il y a deux joueurs la France gagne il y a Griezmann il y a Patrice Evra il y a Paul Pogba il y a tout le monde sur gagne Rami il y a un paquet de joueurs même senti que malgré compétition en fait la carrière moi Stéphane pas et la France pas bon moins exactement Zidane côté tu gagne Thierry Henry côté tu gagne Lilian Thuram Karabeu Desailly c'est tombé la France et me senti que pas joindre la France en Coupe d'Europe ça qui soit penser que fait ça c'est Van Yom. Donc c'est bon la France que aujourd'hui on a mentionné que tu as Zidane là, et Desailly là dedans c'est pas même la France là. Mm-hmm. Et bon c'est football là évolue c'est tout faut pas travailler ou pas continuer travailler c'est bon c'est sûr la France a gain jeune qui venir mais qui juste pas vraiment et entrer dans cinq équipes françaises parce que doit défendre l'équipe la France là ou défendre la France. Même sur la France, on défend la France. Côté que tout le monde attend nos bagailles de même tout le monde attend nos bagailles. Non seulement en tant que joueur dans mes mains, mais quand même qui va le représenter et drapeau pays ça. Exactement. Faut que Jean-Marie a dit, faut mouiller maillot. Faut mouiller maillot. Alors moi-même, c'est fan, moi-même, grandissime favori pour compétition ça. Et il n'y a pas sorti de là, l'Espagne. Ouais. Et je pense que c'est une meilleure qui est comme le meilleur football qui quand même qui impressionne. Et puis il y a l'Angleterre. Et moi, tête de pau, gain l'Angleterre pour moi-même qui pas charmé en pile et qui vont Wayne l'Angleterre qui a joué et l'Angleterre et puis l'Allemagne tout moi c'est que l'Allemagne qui c'est l'Allemagne en compétition ou pas qu'à minimiser l'Allemagne et malgré ça tout l'Allemagne tout qui pas font bon compétition Stéphane Guillaume maintenant est-ce que c'est pas fatigue est-ce que c'est pas son baisse du régime parce que nous connais compétition on est tout fini et puis tout et aller dans Coupe d'Europe des Nations. Moi, je pense que c'est pas une question de fatigue là-dedans tout ça. Ça, c'est un point important parce que je vois tellement jouer. Il y a des fanatiques qui pas rendent mieux compte ça. Attention avec ça. Je vois tellement jouer. Fin saute dans une compétition à l'entraînement l'autre. Saute dans l'autre entraînant pour jouer sélection. Pour sélection. Donc, vraiment, vrai, parfois, et jouer à contre. C'est mon lien même avec nous. Il y a des moments vraiment que je joue à cacasser. Donc ça a vraiment qu'on joue dans le rôle que en sélection on doit paraître comme si ouais son équipe qui est vraiment prêt pour jouer, qui est vraiment prêt pour défendre, etc. Tout à fait. Et bon, vous dites pas oublier. Cleveland Warriors, fun for my ou passer sur basket là. Au Cleveland. Tu vas là-bas. Cleveland Warriors. Golden State Cleveland, qui sont les cadres de LeBron, Stéphane Guillaume, LeBron qui fait et tout bagarre, c'est ton belle série. On sait qu'il était 3-1 et puis pour Cleveland faire remonter, pour une fois dans l'histoire, pour Cleveland faire remonter ça, Stéphane Guillaume, je pense que c'était quelque chose d'extraordinaire de la part de LeBron. Et pas seulement LeBron, Stéphane Guillaume, Kerry Evans, Kevin Love,
et J.R. Smith et Champet, pas toute équipe là. Toute équipe là, en général, mais LeBron James was, parce que pas oublier Cleveland jouait saison passée là, depuis LeBron pas là, même parfois va mettre playoff, parfois va évidemment pour ça. Avec LeBron James qui paraît, moi c'est vraiment, mais ce sont team players. Mais ce sont team players. Parce que les monsieur non c'est une équipe football, non c'est basket. Une équipe basket. Mm-hmm. Et pardon, donc et monsieur vraiment. Les contagieux, tout le monde, ouais, tout monde exactement. Avec lui. Donc mm-hmm. ça, vraiment, moi, c'est, hey, respect pour le bon. Malgré M. Yodi, c'est lui qui est superstar, c'est Guillaume, M. pas montré que lui-même, ouais, monsieur son on team. Monsieur M. mis non bateau, monsieur prend charge tant que capitaine et équipe Cleveland. Monsieur dit, en aller, monsieur dit, ouais. En aller, n'a pas goumé jusqu'au bout, effectivement, monsieur Fell. Et il n'a pas remarqué, c'est Guillaume, et m'a pas dit ça, qu'on y a là. Si monsieur de Gekari avait Kevin Love, j'en étais passé première fois, il n'a pas passé comme ça, non? Bon. Et monsieur pouvait lui, monsieur dit, c'est celle-là même effectivement que tu as goumé. Monsieur goumé avec Golden 7 dans le 7e game, non? Golden 7 battu, alors maintenant, il goumé encore. Il y a 3 à 1 sous, il goumé, il fait tout ça, le gain pour remonter, pour la gain Golden 7, la carte Golden 7. Là, je pense que c'est pas. Suspended là, bas, c'est match, ça. S'il n'est pas suspended, il y a des gars différents. Mais Green bat dans le 7e game, non? C'est Guillaume? Non, il va pas même bagarre là. Bon, c'est une bagarre là. Ou dit pour ça, Green bat dans le 5e game, non? Mais est-ce que Green bat dans le 7e, non? Si on était tout suspendé, si on était suspendé Green pour tous les games, qu'on y a un d'abzé, c'est Guillaume Mouchon. Vous avez raison, oui. Qui ça fait? Bon, anyways. Alors, et Steve Guillaume. Monsieur son autre bagage. Alors, et Steve, je pense que son plaisir, man, et pour nous toujours, pour nous parler de sport, pour nous parler de tout, de rien, basket, et pour nous parler de football, qui c'est sport, voilà, quand nous, ça, ici, vraiment, puis là, man. Et il faut que nous commençons à gâter sous télévision, ça, même, qui c'est Haiti TV, grand pile, l'autre bagage qui vient pour le venir, ou même, qui sont sponsors, ou t'as aimé, l'un a fait chaud, ça, qui c'est Sport Mag, pour et business ou passer en an. Et émission ça amène ou besoin contacter directive et Haiti TV a. Alors on pense que nous capable faire quelque chose et bien ou capable faire nous bien tout et ensuite busy soit bien passé safe m'pa konnen sou gen un message pour jeune qui a gardé nous la amène qui aime sport wa qui c'est football qui t'a aimé venir faire partie de la section haïtienne de football du parce qui t'a aimé décrocher un contrat et sur le plan international d'ailleurs me connais moi travaille avec et football club Barcelone jeune ici ou que toi formé jeune qui message ni pour parents pour jeune qui garder là amen message en simple c'est que amen les simple mais pour vous appliquer là surveillant vraiment faut que mentalement faut que prêt et faut que vraiment mettez tête en position côté que ou pas ne pas négliger travail ou pas peur travail et parce que pour arriver vraiment pas seulement football, l'envie en général. Tout à fait. Pour arriver à vraiment. Donc, il faut qu'on travaille, il faut qu'on baille tout au même, il faut qu'on tende, il faut qu'on tende. Oui, faut qu'on tende, c'est ça, il faut qu'on tende. Et puis, essayer d'appliquer ça que vous m'avez offert. Donc, je pense que là, et en Haïti, même surtout en Haïti, parce que c'est là que c'est ça, nous avons mis. Nous avons mis où on est dans la Coupe du Monde. Nous avons mis où jeunes Haïtiens ont vu dans la Coupe d'Europe, dans Champions League. Dans Champions League, etc. Donc, là, nous avons besoin vraiment de gagner, comment c'est gagner l'école football qui a fait. Gagner, mais vraiment pas gagner encadrement assez. Comme si parfois, si on va l'entraîner, bon, ou quand dit parents, essayez de battre l'eau, mais parents, ils m'ont pas li pas gagne. Donc là, je pense vraiment nous-mêmes en Haïti, et je pense fait équipe football, yo, l'école football, yo, équipe qui a cap jeune championnat national, il faut que nous gagnions jeunes qui a levé tout parce que l'un Chris Mono allé, il faut que l'autre monde qui a remplacé Chris Mono. Tout à fait. Les gens Deschamps qui a allé, il faut que l'autre monde qui remplace Deschamps. Donc c'est même gens nous besoin en Haïti, je fais l'école football dans la ville qui c'est Stéphane Guillaume Academy, et il faut me dire Pascal, bravo pour l'école football par la fête dans Léogane, mais chaque jour, fait le Nyankou, dans le Nyankou, et puis Jean-Marc Alexandre fait le verre. Donc, nous besoin plus dans ça, nous besoin plus de joueurs qui jouent en Haïti, à l'étranger, tout, entrer en Haïti, essayer de faire genre de bagaille ça, parce que là, nous fait ça, nous avons des jeunes qui ont levé, nous connaissons que nous avons l'autre monde qui va le remplacer, nous, là, nous finissons. Et là, vraiment, bah, c'est l'important, vous dites, pour nous focus sur ça, jeunes, il faut que nous focus sur lui pour nous jeunes vraiment en Haïti que nous cherchons. Tout à fait. Alors, je pense que sans et la jeunesse, pas qu'à grand pays, et sans éducation, tout, pas qu'à grand pays. Stéphane Lié Dinza, pas oublier même le fait sport, mais toujours prendre l'école au sérieux. Au sérieux. Et l'école là, c'est lui-même qui a, parce que là, font combinaison l'école, football, je pense que au PACA et à l'erreur, je pense qu'on a réussi quand même. Merci en pile. N'a pas croisé à Venn, semaine prochaine, sous même télévision, ça, Haiti TV pour émission pour la Sport Mag. Bye bye tout le monde, moi, maintenant en pile. Merci tout le monde. Et que n'a pas tant tout le monde la semaine prochaine, si je veux, et dans Sport Mag, que vous choisissez, qui vous boit toutes bonnes informations dans le sport que vous préférez. Donc, nous disons merci et vous disons le meilleur à Foulaï. Yeah, man. Yeah, man.